el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno. Non mais attends, moi aussi je m'inquiète pour ce qui se passe avec Ivan. Mais bon, s'il a décidé de quitter le groupe, on doit le respecter. Et même s'il se trompe? Bah oui. S'il a perdu sa passion pour la musique, nous on ne peut rien y faire. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je crois pas qu'Ivan ait perdu sa passion pour la musique. La musique compte plus que tout pour lui, j'ai même pensé qu'elle était son véritable amour. D'accord, bon, écoute ce que je vais te dire. Ivan a été proche de la mort. Et il a accepté que tu étais son âme sœur. C'est certainement là que ses priorités ont changé. Non, je crois pas. Je l'ai trouvé vraiment bizarre et vraiment très distrait, et tant que je saurais pas ce qui se passe, je rentrerai pas à Cali. Ivan est là. Non. S'il vous plaît, attendez-moi. J'aimerais d'abord lui parler. S'il vous plaît. Attendez-moi. D'accord, pas de soucis. Ivan, je peux savoir où t'étais? Tu faisais sans doute l'une de tes promenades étranges, non? Quelque chose du genre, ouais. Ouais, quelque chose du genre. Ben, tu sais quoi? Tu peux faire tout ce que tu veux avec ta vie. Ça m'est égal. Mais t'as une idée de l'importance qu'avait ce concert pour nous tous? Et pour nous, en tant que couple? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué ensemble? Oui, je sais, ma belle, mais le fait est que... qu'il s'agissait d'un cas de vie ou de mort et j'ai dû faire un choix. Il s'agissait d'un cas de vie ou de mort? Et tu nous as laissé en plan, nous, tes amis, ainsi que ta famille. Et tu t'en fous, j'imagine que t'as de sacrés problèmes. Plus que ce que tu t'imagines, ouais. Ben, vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Fais-toi belle comme pour les jours de fête, d'accord? Pourquoi? Parce que je vais t'emmener à l'endroit qui a changé ma vie pour que tu comprennes. Non. Parce que tu vois, dans le bar de Yeni, tout le monde t'attend afin que tu leur expliques ce qui s'est passé. Vous voulez gagner le double en travaillant uniquement 5 heures? Que je vous donne à manger ainsi que des rafraîchissements? Attendez, vous demandez aussi 4 uniformes complets pour travailler avec chaussures et accessoires inclus? Mm-hmm. Et des vacances en bord de mer? Et un ensemble complet pour le chat. Vous avez pété les plombs ou quoi? Non. On demande juste ce qui nous revient de droit. Bon, laissez tomber. Vos demandes sont absurdes et je vous paie très bien. Alors mettez-vous au travail et arrêtez avec ça, d'accord? Non, ça n'arrivera pas. Non. Il faut que tu saches que nous ne travaillerons pas tant que tu n'auras pas accepté toutes les demandes qu'on t'a écrites ici. Vous me faites du chantage? Non, Yanni, c'est pas ça. Mais il tient qu'à toi que nous ne fassions pas grève. Faire grève? Oui. C'est ça? Oui. Bon, maintenant, vous dégagez de là tous les trois. Non, mais dehors. Attends. C'est hey, dehors. Dehors. Et toi aussi, dehors. On va rien arranger du tout. Dehors. S'arranger. Je veux plus vous voir chez moi. Dehors. C'est pas vrai. J'y crois pas. Ça m'apprendra assez bien les traiter. Oui, ça c'est vrai. Je vais m'arranger. Je vais vous employer ce soir. Vous avez tout à fait raison, Yeni. Donnez-moi ça, je vais le jeter. Dites... J'ai une question. Comment vous allez faire pour ouvrir le bar? Car sans serveur, ça me semble impossible. Je vais m'arranger. Je vais vous employer ce soir. Moi? Non, attendez. Oui, vous? À moins que vous préfériez ne pas savoir où dormir. Tenez. Oui, madame. Mais si, maman, je vais bien, je suis si heureux. Tu sais pourquoi? Parce que alors que je m'y attendais pas, j'ai trouvé des raisons pour aller de l'avant et pour continuer à me battre, tu vois. Ah oui? Et ces raisons ont-elles un rapport avec la musique? À ton avis, tu sais que la musique et moi, nous ne sommes qu'un, maman. Et Marisol et le groupe Nietzsche font partie de ton organisation? Ben, en fait, pour l'instant, je vais me concentrer sur moi. Parce que si tout se passe comme je le souhaite, en un rien de temps, je chanterai en anglais, figure-toi. Et je serai très célèbre, je serai plus célèbre que James Brown. Mon fils, ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu sois content. Que tu te sentes bien, accompli... Et comme je vois que c'est le cas, je me sens plus tranquille. Mais n'oublie jamais, Ivan, que pour réaliser tes rêves, tu n'es pas obligé d'écraser les personnes qui t'aiment le plus. Tu entends, mon chéri? Non, t'inquiète pas, t'as pas à t'en faire, maman. Quand le moment sera venu, je me chargerai de leur expliquer les choses à tous. Je laisserai les choses en ordre, comme il se doit. T'inquiète pas. Alors, c'est bien. Bon, et maman, tu veux pas venir écouter ce que je fais en direct, là, maintenant? J'ai demandé à Marisol de venir m'accompagner aussi. Non, mon fils. Merci pour l'invitation.
Mais je suis si fatiguée. Et demain, je dois partir pour Cali. Tu te souviens? Quoi, déjà? Oui, chérie, il est grand temps. Bon, sache que tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, mon fils. Prends soin de toi. À bientôt. À bientôt. Tirso! Oui, dites-moi. Rends-moi service, apporte une bouteille de whisky à cette table. J'y vais tout de suite, Merci. Salut les gars. Salut. Inséparables. Vous avez fait quoi du petit bonhomme? On a dû trouver une autre nounou, voilà ce qu'on a fait. Oui, vous avez raison, vous avez bien bon, fait. Bon, et sinon, vous avez vu Ivan dans le coin? Non, il a dit qu'il aurait du retard, mais qu'il viendrait à coup sûr. Oui, enfin, sauf s'il a trop peur de se montrer et qu'il décide de ne pas venir, ça c'est possible. Non, c'est pas son genre. C'est pas son genre, tu dis, j'aurais juré qu'il n'était pas de ceux qui pouvaient décevoir ses amis, mais en fait, je me trompais. Bon, on a qu'à boire un coup en l'attendant. J'ai déjà commandé une bouteille, mais ils sont débordés, elle n'est toujours pas arrivée. Mais oui, c'est vrai ça. Où sont les serveuses et Magno? Hé, ma belle. Qu'est-ce que t'as fait de tes serveurs, Magno et les filles, ils sont où? Je les ai mis à la porte, parce qu'ils sont venus exiger des choses totalement absurdes, injustifiées et disproportionnées. Ils ne m'ont laissé aucun choix. Ah oui? C'est toujours le genre de truc qui arrive au patron, ça. Et puis, quand un travailleur demande quelque chose, c'est toujours une exigence absurde, disproportionnée et injustifiée, je me trompe? Si tu savais ce qu'ils m'ont demandé, tu serais de mon côté. Et je vais te dire, sans l'aide de Tirso, je n'aurais jamais pu ouvrir. Des glaçons? Je vous apporte ça, des glaçons. C'est bon, chef, j'apporte ça là-bas. Je m'occupe de tout. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Oui, tout à fait, on se rend parfaitement compte. On emballe nos petites affaires pour pouvoir nous tirer d'ici. Loin, très loin, très loin de cette maison. Et où est-ce que vous allez aller? Avec quoi paierez-vous un loyer? Parce que je pense pas que vous soyez du genre à économiser, pas vrai? Ah, Camille, Magno a raison, je crois. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai ma petite idée. J'adore ce que t'as mis, t'es vraiment magnifique. Merci. Mais en revanche, je trouve que... dernièrement... t'as un look un peu différent. Eh, viens par là. Mais enfin! J'ai comme une impression d'un coup. Je suis sûr que c'est toi qui as été monter la tête à Magno et aux serveuses, hein? Comment ça, monter la tête? Non, mais de quoi tu parles? C'est quoi ce vocabulaire? Je les ai simplement motivés, je les ai unis, c'est différent. La masse est opprimée, j'essaie seulement de la libérer. N'oublions pas la dialectique matérialiste. Gardons en vue la dialectique matérialiste. Il faut réclamer ses droits, c'est important de le faire. Oui, 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 mais à cause de ta dialectique, elles se retrouvent à la rue. Ah, et elles ont plus de travail. Mais monsieur va les remplacer, par contre, ça c'est pas vrai? Ne sois pas ignorant, camarade. Je suis infiltré. Je fais la révolution en planque. C'est la lutte des classes. Ah oui? Oui. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. J'ai compris ce que tu faisais ici. Et je vais te dire une simple chose. Vous allez dégager d'ici, toi et tes discours à la con, t'entends? Sale guignol. Bureaucrate. Et nous accueillons dans la joie la plus totale la nouvelle révélation du rock colombien. On applaudit Ivan Moreno! J'imagine que t'aimes bien le rock, n'est-ce pas? T'as pas l'intention de répondre? Vas-y, Ivan! Quoi? Comment tu t'appelles? Je veux savoir qui tu es. Marisol Lopez. Je suis la copine du chanteur. T'es content? Ah,
Bon, je voudrais profiter de la bonne énergie de ce soir pour vous dire que je suis très heureux d'être ici avec vous et je voudrais également dédier cette chanson à l'amour de ma vie, à Yoko Ono. C'est pour toi, chérie. 1, 2, 1, 2, 3. Si tu permets, je vais m'asseoir ici, à ta table. Merci. Bon, ça fait trop tard, Ivan ne va jamais venir. Ah, ça, je vous le dis, Ivan ne va pas venir, il a la trouille, il va pas montrer le bout de son nez, point. Hey, mais les gars, c'est bon là, soyez un peu patients, Ivan va venir, il a dit qu'il le ferait, ça va. Moi, franchement, je n'ai plus confiance en lui, il a fini par me vexer, par me décevoir aussi. Attendez, et si Ivan avait une maîtresse cachée et qu'il nous avait rien dit? Mais quelle maîtresse cachée? Si c'était le cas, il aurait pas demandé à Marisol de l'accompagner. Ah mais ça, on n'en sait rien. Il l'a peut-être invitée pour les présenter et qu'elle ne se fasse aucune illusion avec lui. Non, moi je crois que le problème se situe ailleurs. Oui. Attendez, j'ai une idée, moi. Pourquoi ne pas vous calmer un peu et arrêter de faire des suppositions? On va attendre qu'Ivan arrive et nous explique ce qui se passe, ok? Mais moi, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Patience. Oui, enfin, s'il arrive. Le peuple uni jamais ne sera détruit. Le peuple. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jamais ne sera détruit. Le peuple uni. Jamais ne sera détruit. Le peuple uni. Jamais ne sera détruit. Le peuple uni. Jamais ne sera détruit. Bon, ça suffit d'être aussi stupide. Je vais faire comme si absolument rien ne s'était passé. Ou vous vous mettez au travail, ou je vous jure que je vous vire pour de bon. Non, oublie ça. Et crois-moi, tu te trompes si tu penses pouvoir mettre fin à notre grève sous le coup de la menace. Bien, comme vous voudrez. Continuez à vous peler de froid et assumez-en les conséquences. Yenny, attends, on n'a qu'à négocier à partir de ce qu'on demande. Non, c'est trop tard. Oh, voilà, vous avez vu? Moi, je crois que Yenny a tout à fait raison. Et en plus, elle a toujours été bonne amie et une bonne patronne avec nous, c'est vrai. Et puis ça, ce qu'on lui demande est absurde. Écoutez, je vais pas continuer ces conneries et je vais rentrer travailler. Hey, non, attendez, les filles, attendez. Tout ça n'a rien d'une connerie, je te conseille de rester ici ou je me fâche, d'accord? Franchement, t'abuses, pourquoi t'applaudis pas? T'aimes pas comme il a chanté ou quoi? Non, j'adore, pour moi, c'est le meilleur chanteur du monde, mais je pensais pas qu'il allait se mettre à chanter du rock en espagnol, hey. Tu vois. Salut mon pote. C'était vraiment super mon pote, bravo. Ah merci, bravo. Merci, mais ouais, tout ça, c'est grâce à toi, ouais. Tu sais. Et qu'est-ce que t'en as pensé, ma chérie? Eh ben, je suis un tout petit peu... un peu déconcertée. Mais ça t'a plu ou pas? Attends, Ivan, qu'est-ce qu'elle a ta meuf? Pourquoi elle réagit comme ça? Ben, hein? Je sais pas, je sais rien. Je te dis, y'a plus, hein. Ok. Dites donc, ma petite patronne. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire avec ces serveurs? Je trouve que c'est vraiment le comble. T'as raison, oui. Je vais appeler la police. Non. Je vous en prie, n'appelez pas la police, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il me trouve, ma vie sera en danger. Faites pas ça, vraiment. Je vous en prie, pas la police. Est-ce que vous me faites confiance? Écoutez-moi, je sais lever les foules, vous avez pas idée. Ce genre de personnes, je peux en faire ce que je veux. Laissez-moi leur parler. Vous me faites confiance? Bon, d'accord, vas-y, va leur parler. Ça va aller, je vais arranger tout ça. Hé, hey, Marisol, viens! Mais viens là, bon sang! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es partie comme ça, sans dire un mot, hein? Hein? Depuis toujours, nos idoles ont été Richie Ray, Bobby Cruz, Hector Lavoe, Celia Cruz, Johnny Pacheco. On a toujours rêvé de devenir le meilleur orchestre de salsa du monde. De salsa, t'entends ce que je te dis, de salsa. Et puis, te voir jouer du rock en espagnol et chanter, ça m'a vraiment impacté. Ah oui, et pourquoi? Comme si le rock était un mauvais genre musical, c'est ça que tu penses? C'est pas ce que j'ai dit, non. Mais alors pourquoi? Je pense même que le rock est un genre de musique plus important et plus populaire que la salsa, mais... Imagine que du jour au lendemain, je vais changer d'instrument et que je me mette à la batterie. Ce serait merveilleux.
Comme ça, tu ferais partie de mon groupe, non? Non, 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 non. Bien sûr que non, jamais de la vie, j'arrêterai de jouer de la musique qui fait vibrer mon cœur et mon âme. Je trahirai pas mes racines. Mais... C'était censé être mon moment de gloire. Mais comment tu veux que j'en profite, hein? Marisol, viens là. Camarades, nous sommes à ça. À ça que l'oppresseur ne cède et abdique devant nos droits. Sérieux? Mais oui, alors c'est pas le moment de flancher. On ne peut pas baisser les bras, pas maintenant, non. T'en fais pas, camarade, car on n'a pas l'intention de bouger. C'est l'attitude à avoir, camarade. Parfait. Nous avons beaucoup de travail, mes chers camarades. Je vais te poser une question et je veux que tu me répondes en toute sincérité, t'entends? Ah, d'accord. Alors en plus, il faut que je te réponde avec sincérité. Bah, allez, vas-y, dis-moi. Je voudrais savoir si tu comptes me soutenir, voilà. Écoute, Ivan. Tu veux vraiment que je te soutienne? Je vais aller plus loin. Tu veux vraiment qu'on continue à être en couple tous les deux? Bah, et qu'est-ce que vous faites avec vos casseroles et vos affiches, hein? On ne fait rien d'autre qu'exiger nos droits. T'as vu ça? Et après, c'est moi qu'on traite de fou, tu vois? Bah, on y va, ma puce. Détendez-vous, hein? Peace and love, les filles. Bon, l'heure est venue, les gars. Je vais vous dire pourquoi je vous ai planté en plein concert. Alors on t'écoute, car j'espère que ton excuse en vaut la peine, parce qu'on est franchement pas contents, là. Ouais, et surtout toi, visiblement. Bon, raconte, vas-y. Vas-y. Eh bien, en fait, le truc, c'est que j'avais une réunion avec les businessmen d'une des plus grandes maisons de disques de rock de tous les États-Unis, voilà. Une maison de disques de rock? Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'à partir de maintenant, je vais chanter du rock. Ah, en espagnol. Comment ça, Ivan? Tu veux nous dire que tu vas arrêter de chanter avec le groupe Nietzsche, c'est ça? Ouais. Hein? Mais attends, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Ah, mais ça vous empêche pas de continuer, au contraire. Je suis certain que vous aurez autant de succès sans moi. Et en plus, toi, crack, t'as plutôt fait tes preuves dans ce domaine, non? En fait, on a une proposition à vous faire. Tu veux bien l'entendre? Bien, allez à la réserve et on va parler. Allez, camarades, on y va. On y va. Merci beaucoup, merci. 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 Ivancho, ce que tu dis là, c'est sérieux? C'est très sérieux. Marisol m'a vu chanter au Barocco au dealer. Dis-nous, Marisol, il a vraiment chanté du rock, c'est sérieux? Ouais. Et comment c'était? Non, 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 leur dis rien surtout. Je vais vous donner l'opportunité de me juger sans avoir besoin d'intermédiaire. Allez, vous allez voir. C'est une blague, ça. Une blague? J'aimerais bien. Eh, mais les gars, c'est bon, là, soyez un peu patients. Je sais que grâce à vous et à votre travail doué depuis tout ce temps, ce bar est devenu ce qu'il est. Alors pourquoi tu refuses de nous payer une augmentation? Parce que je vous paie très bien et vous le savez. Si je dis oui à toutes vos demandes, je vais faire faillite. Et les premiers qui seront touchés, ça sera vous. Alors on fait comme si rien ne s'était passé? Non, malheureusement. Parce qu'avec toute cette histoire, je me suis vraiment sentie... vraiment mal. Vous n'imaginez pas à quel point je suis triste. Car jamais je ne vous ai considérés comme mes employés, mais comme mes amis, vous savez. Mes seuls et véritables amis. C'est pourquoi je vous ai ouvert les portes de chez moi ainsi que les portes de mon cœur. Mais bon, comme à ce jour, je vous aime encore. Je vais voir là où je peux céder pour que vous restiez ici. Merci beaucoup. Non mais vous avez vu ça? La voilà qui cède, on la tient, elle nous mange dans la main, les amis. On est de vrais révolutionnaires, ça je vous le dis. Quel révolutionnaire? On n'est rien d'autre que deux ingrats, deux mauvaises amies pour Yeni, c'est tout. Voilà ce que nous sommes, Eliana. Comment va mon cher public amant de la rumba? Bien? Bon, je vais vous offrir une chanson d'un genre que vous ne m'avez jamais entendu chanter auparavant et c'est pas de la salsa, mais du rock en espagnol. C'est parti. Tu m'offres un verre? Oui, bien sûr.
Ça fait vraiment bizarre de l'entendre chanter du rock, mais c'est plutôt pas mal. Même s'il chantait comme Presley, moi ça me plairait pas. C'est pas l'Ivan que j'ai connu à Puerto et que j'aime. C'est un inconnu. Je suis en train de vivre une situation similaire. Camila, Eliana et Magno ont décidé de se mettre en grève contre moi. C'est pour ça qu'ils étaient dehors avec des affiches et des casseroles. Oui. Et malheureusement, je crois qu'ils ont vendu notre amitié contre une poignée de billets, tu sais. Je les découvre sous un autre jour. Tu vois, moi, ça me fait ça avec Ivan. La différence, c'est que... lui, c'est l'amour de ma vie. À plus. Merci beaucoup. Et vive le rock. Alors quoi? Sans vouloir te vexer, Ivan, moi je préfère ne rien dire. Ben oui, pourquoi pas. Moi non plus, désolé, Ivan. Quoi qu'il en soit, mon cher Ivan, je veux te féliciter pour ta chanson de rock en espagnol. On y va? Ma puce, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! J'ai parlé avec Amadeo, je vais passer la nuit avec lui et Lida, et demain je partirai avec... Mais pourquoi, hein? Ivan, écoute, je te reconnais plus, t'es plus le même. J'accepte pas que tu chantes du rock en espagnol, et je sens que je suis trop. Viens là. Viens là. Tu voudrais que j'abandonne une chose qui me passionne pour te faire plaisir? Non. Fais ce que tu veux. Je sais que je pourrais jamais t'en empêcher. Tu permets, s'il te plaît? Marisol, reviens. Marie, pars pas comme ça, c'est bon, on va parler. Ivan, tous les deux, on n'a plus rien à se dire, t'entends? Ivan. Écoute, mon grand. Je vais te donner un conseil. Ne sois pas triste, laisse-la partir. Mais où est le problème? Dis-moi, toi ce que tu veux c'est devenir chanteur de rock, non? Ou pas? Tu es le seul à pouvoir choisir pour toi. Ça regarde quelqu'un d'autre? Non? Il faut que tu ailles où te mène la vie. Et agir en conséquence, laisse-la partir. Y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que je dois pas la perdre, tu comprends? Parce que je risque de le regretter pour le restant de mes jours, tu vois? Non, camarade. Comment ça, tu vas arrêter la grève? Ça se fait pas, ça, c'est une question de principe. Ah bon, ça se fait pas? Bah tu vas voir comment je vais le faire et je me moque que vous me traitiez de menteuse, de traite ou de mauvaise amie, je pars. Non, attends, on va se calmer. Je connais cette angoisse à l'idée de se retrouver sans travail. Avoir faim, ne pas avoir où dormir, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la dignité, c'est ça, être révolutionnaire. Non, mais moi j'ai commencé tout ça un peu comme un jeu. J'aurais jamais pensé que les choses iraient si loin. Mais ça n'est pas grave, c'est non? C'est pas grave, non, c'est pas grave. Parce que le fait est qu'on a mis Yeni devant les faits et qu'elle est sur le point de céder. Tu peut-être vois? Mais moi je préfère l'amitié d'Yeni plutôt que le profit, t'as compris? Je pars. Camarade, ce que tu fais est injuste. Écoutez, vous savez quoi? Moi aussi je suis d'accord avec Camila. Mais ça je m'en fais pas, camarade. Mais quel manque de principe. T'as vu? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Mourir en défendant nos droits comme le ferait un révolutionnaire. Oh non, camarade, car ça veut dire que la seule qui va perdre son emploi dans tout ça, ça va être moi. Non, camarade, car tu es la seule. La seule qui ait de la dignité. Celle qui va revendiquer ses droits de travailleuse. Je n'avais jamais vu un regard comme le tien. Et sache que j'ai bien connu Che Guevara. Tu as le regard d'une vraie guerrière. D'une femme digne. C'est vrai? C'est vrai, camarade. Tu désires participer au mouvement, camarade? Venir dans une mission clandestine avec moi? Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Oui? Oui. Parfait, camarade. Hé, hey, les gars, écoutez-moi. On doit parler sérieusement de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre fin à l'orchestre ou quoi? Ce serait la meilleure option, je crois. C'est un secret pour personne que pour Diana et moi, c'est devenu bien difficile depuis la naissance de notre bébé. On avait décidé de faire notre possible, de nous donner à fond et d'aller de l'avant tant qu'on avait Ivan. Parce qu'on pensait qu'on aurait une compensation financière, une compensation morale, mais... Mais s'il s'en va, quoi? Hein? Eh bien, on en a parlé et on a décidé de continuer à nous battre, mais pour notre famille, pas vrai? Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, voyons? Faites pas ces têtes! Soyez pas si négatifs! Qui a dit qu'on aurait plus de succès sans Ivan? Hein? Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on l'a prouvé aux milliers de fans du groupe Nietzsche, qu'on est tout aussi bons sans Ivan! Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Uniko. Vous avez déjà fait tout le boulot et ça ne me semble pas juste que vous envoyez tout balader, tout ça parce qu'Ivan cesse de chanter, voilà. Bon, d'accord. Imaginons. Oui, que le groupe fonctionne avec Uniko, qui chante très bien, oui, là, c'est parfait, et on tiendrait un moment avec tout ce que l'on a au répertoire, tel qu'on le présente maintenant. Mais pour les nouvelles chansons et les arrangements, qui va s'occuper de faire tout ça? Toi? Toi? Ou Saoul? Ou les deux. Vous êtes de bons musiciens. Mm-hmm. Et moi, je continuerai à être votre agent et à obtenir des contrats. Et ce bar sera toujours votre maison. Eh ben, merci. Qu'en dites-vous? Mes frères, on a un manager, il nous faut tirer de l'avant. Bon bah d'accord, on y va pour moi. C'est bon, y a pas de problème, ça marche. Ah bah, nous aussi, on va continuer l'aventure, d'accord? Mais oui, si on reste... Ça va le faire, ça va le faire. Mais oui, c'est sûr. Ça va le faire, les gars, on va le faire. Ça va marcher, vous allez voir ça. J'en suis sûr. Ça va le faire, mais oui. Mon amour, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Parce que j'ai très mal au ventre. Mais enfin, chérie, pourquoi t'es pas venue dans notre chambre nous le dire à ton papa et à moi, hein? Parce que papa m'a dit que si j'allais dans sa chambre, il allait me punir. Sarita, ma chérie, t'es sûre que ton papa t'a dit ça? Oui, je te le jure. Attends, ma puce, attends, je reviens. Je vais te faire une eau à la cannelle et ça va passer, hein? Tu vas voir. Non, je préfère que tu me fasses un câlin. Oh, tu préfères que je te fasse un câlin? Oh, j'ai tellement mal au ventre. Oh là là, j'ai mal. Fais voir ce petit ventre, fais voir. On va le soigner, ce vil. Un petit bobo, des caresses, un bisou et fini le mal. Pff, de bidou. Ça y est, c'est parti. Hein? Attendez, je vais le faire. Je vais laver ça. J'ai une question à te poser, Tirso. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la grève des serveurs? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Réponds-moi, Tirso. Non. Voilà, j'ai parlé avec eux et je leur ai dit non, faites pas ce genre de choses, arrêtez. Mais je les ai motivés pour une seule petite chose. Voilà, et c'est de là que vient toute l'histoire. Non. Tu vas dégager tout de suite de là, et maintenant, dehors! Non, vous pouvez pas me faire ça. Faites pas ça, si je sors, ils vont me tuer. J'en ai absolument rien à faire, Tirso. Tu sors d'ici. Non, Yenny, je vous en supplie, gardez-moi au moins ce soir, seulement ce soir. Jamais de la vie, tu vas voir, je vais appeler la police, tu vas voir. Non, je vous en prie, je vous en supplie, Yenny, je vous en supplie, s'il vous plaît. Non, j'ai dit non, tu sors d'ici. Je mes affaires et je m'en vais. Très bien, mais tout de suite. Je pars, oui, je m'en vais. S'il vous plaît. Bonsoir à tous, chers amis amoureux de la rumba. Comme vous pouvez voir, notre directeur et chanteur Ivan Moreno ne sera pas des nôtres ce soir. Mais vous avez devant vous le groupe Nietzsche, préparé à vous faire danser jusqu'au petit matin.
1. Amadeo! Oh merde! Mais pourquoi t'as fait ça, enfin? Non, mon pote, c'est que j'avais pas reconnu ta voix, en fait. Tu chantes faux, tu chantes comme si t'étais malade. Je suis vraiment désolé. Vas-y, viens, descends. J'ai bien envie de te refaire la moustache. Non, mais tu m'as pris pour un débile ou quoi? Non, mais franchement, ça se fait pas, sans deck. Qu'est-ce que vous dites? Et n'oubliez pas, mes amis, que nous autres, nous sommes le groupe Nietzsche et qu'on dépend de vous, de votre tendresse, de votre amour inconditionnel pour rester vivant et pour pouvoir chanter pour vous. Je peux pas croire que Yeni ait pu avoir autant de sang-froid alors que c'est une question de vie ou de mort. C'est ça les grands patrons, camarades. Ils se moquent de la vie des autres, car eux, tant qu'ils maintiennent la posture, le reste ne compte pas. Mais tu sais quoi, camarade? Quoi? Je suis révolutionnaire avant toute chose. Camarade, dis-moi, comment je pourrais aider? Eh bien voilà, camarade. Garde-moi ce carton, s'il te plaît. Je peux savoir ce qu'il y a dedans? Non. Je ne peux rien te dire, mais là-dedans se cache la révolution de ce pays. Fais bien attention. Tant que ça? Oui. Ne montre ça à personne. Non, non, et non. Ne va pas l'ouvrir, je t'en conjure. Non, c'est bon. Je vais la garder. Mais il y a autre chose que je puisse faire pour toi? Si tu peux me prêter un peu de blé, je t'en serai gré, camarade. De l'argent? Oui, si t'as quelque chose pour que je puisse bouger et circuler un peu. Bah oui, mais j'ai pas grand-chose, j'ai que ça, mais... Avec ça ira. C'est bon, merci beaucoup. Merci, camarade. Oui. Je te remercie beaucoup pour ça, camarade. Bon, alors ça y est? Oui, madame, soyez tranquille, je m'en vais de ce pas. Et toi aussi? Oui. Et où sont Camilla et Magno? Ils sont partis depuis longtemps. Ah, je vois, oui. Madame Hortensia, merci infiniment. Je le fais vraiment de bon cœur. Tout ce que j'espère, c'est que Yeni accepte de vous pardonner. Oh oui, je crois que oui. Ah, j'espère. En plus, on dit que le meilleur moyen d'accéder au cœur d'une personne, c'est par l'estomac. Et je sais que Yeni adore les recettes de fruits de mer, c'est sûr. Merci, Hortensia. Ça me fait plaisir. Dépêchez-vous, le taxi est là. Au revoir. Ciao, merci. Xiomara. Xiomara, mon amour. Viens te recoucher, mon cœur.
Vas-y, toi, moi, je vais rester ici dormir avec la petite. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Aïe, 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 aïe. Chut. Elle a mal à son petit ventre. Ah oui? Bon, bah, dans ce cas, on file à l'hôpital, on y va. C'est peut-être l'appendicite. Chut. N'exagère pas non plus, elle n'a pas de fièvre. Va te recoucher. Moi, je vais rester ici avec elle, d'accord? Reposez-vous bien, alors. Merci. Ferme la porte. Bonsoir. Salut. Je peux savoir ce que ça veut dire, ça? Eh bien, voilà ma petite Yenny, on a préparé ce repas avec l'aide de Madame Mortensia pour que tu puisses, je t'en prie, nous pardonner pour ce qu'on a fait. On s'est laissé embrigader par ce tire-sola, désolé Yenny. Mais on reconnaît nos erreurs, pardonne-nous, on voudrait que tout puisse redevenir comme avant, je t'en prie, pardonne-nous s'il te plaît. Non, plus rien ne sera comme avant. Pourquoi ça? Parce que j'ai revu certaines de vos demandes et je vais en appliquer quelques-unes. Ah, je t'aime, je savais. C'est merveilleux, merci. Mais qu'il soit bien clair entre nous que je vous pardonne grâce à ce repas. Oh, je le savais, je le savais. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce que ça sent bon? Merci. Il va vraiment être l'heure de dîner parce que j'ai une faim terrible. Je me demande bien ce que fait Liana, là. Bah, d'après ce que j'ai pu voir, elle continue la lutte de pied ferme. Oui, je m'en doutais bien. Elle n'a pas voulu venir avec nous, elle est restée avec Tirso. Et où est-ce qu'elle va passer la nuit? Eh ben ça, on sait pas. Adelante los pobres del mundo, que unidos vamos a luchar. Y así siempre venceremos con la internacional. Ma petite Eliana. Tu es allée boire? Non, 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 j'ai pas bu, non. J'étais à une réunion clandestine. Et crois-moi que là-bas, on se met les nerfs en boule, car on risque notre vie pour les gens, pour la lutte. Oui, 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 je comprends. Entre, viens. Entre donc, allez. D'accord, d'accord. Alors, t'es content d'être le nouveau chanteur du groupe Nietzsche? Bah, d'un côté, oui. Mais de l'autre, non. Évidemment, je suis en train de réaliser un rêve. Mais n'oublions pas qu'avant qu'Ivan ne débarque dans nos vies, je passais déjà tout mon temps à chanter. Et voir que si j'en suis là aujourd'hui, c'est juste parce qu'Ivan a laissé sa place. Ça me rend vraiment très triste, mon ami. Non, qu'est-ce que tu dis? Dieu fait les choses à sa façon. Et s'il te donne une opportunité d'ascension au sein du groupe, tu dois en profiter. Mais c'est sûr. N'aie pas le moindre doute là-dessus. Je vais me donner à fond. Tu me connais. Je suis tellement fière de toi. Et sache que chaque jour, je t'aime un peu plus. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu es toujours ce combattant courageux qui a su me charmer le jour où je t'ai connu. Tu penses qu'on est restés les mêmes? Tant mieux. Ah, ma petite puce, tu sais quoi? Je trouve qu'il fait bien froid ici, non? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je t'aime de tout mon cœur, tu le sais, ça? Non. Je veux te l'entendre dire 1000 fois pour pas l'oublier. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Amarte hace que todo se estremezca en mi interior. Tú haces que mi alma se llene de calor. Me incitas a desear quererte. Bon, et qu'est-ce qu'ils ont dit à la réunion? Ah, cher camarade, tout est si compliqué. Soit je prends une décision drastique, soit ils vont me tuer. Et quelle est cette décision drastique? Redevenir un simple clandestin. Disparaître, devenir un autre, j'en sais rien, camarade. Et dans ce cas, qu'adviendrait-il de moi? J'ai parlé de toi. J'ai parlé aux gens de notre mouvement. Et je leur ai bien dit que... Je leur ai dit que j'avais connu une femme... qui a la rage. Une femme pleine de dignité, une femme intelligente, et que je voulais qu'elle fasse partie du mouvement. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. Bien sûr.
C'est une femme comme toi dont nous avons besoin. Une femme digne. Une femme intelligente. Une femme digne, oui. Une femme très courageuse. Ah oui, mais attends, j'ai besoin de temps pour y penser, moi. Non, mais ça, j'en manque déjà beaucoup. Je n'ai pas de temps, camarade. Tirso, une telle décision ne se prend pas à la légère comme ça et je préférais qu'on en parle. Non, camarade, mais où est-ce que tu vas? Chez Yeni, je vais lui demander pardon pour qu'elle me laisse passer la nuit chez elle. Tu vas aller t'agenouiller devant l'oppresseur? Ah bah, à ton avis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et les principes, alors? Eh bien, je vais devoir les garder au plus profond de mon cœur, au moins pour cette nuit, voilà. Non, camarade, fais pas ça. À demain. Ne me laisse pas tout seul, camarade. Arrête, il faut qu'on parle. Camarade. Oh. Quoi? Non, debout, allez, debout, on se lève, allez, on se bouge. Sarah, tu vas arriver en retard à l'école, allez, lève-toi. Non, mademoiselle, debout. Tu devrais pas l'envoyer à l'école aujourd'hui. Et pourquoi ça? La petite va bien. Pas vrai, ma puce? Non, j'ai un petit peu mal. Bon, ça commence à m'inquiéter. On part, allez, on va à l'hôpital tout de suite. Non, j'ai seulement des petits renvois. Des petits renvois? Non, mais dis-moi, t'as mangé quoi hier soir? Sarah, tu vas tout de suite me dire ce que t'as mangé hier soir ou je t'emmène chez le médecin et t'auras une piqûre. Ma puce! Sarah, t'es en train de me dire que t'as mangé tous ces bonbons toute seule? Oui, papa. Tu m'étonnes que t'aies des renvois, ma chérie. Qui t'a donné ça? Mais c'est moi. Mais je lui avais dit de ne pas les manger tous en une seule fois. Et c'est parce qu'ils étaient très bons. Tu devrais aller lui faire un peu d'eau à la cannelle. De l'eau à la cannelle, avec une dose de citron et d'ail. Voilà ce qu'il faut pour en finir avec ces spasmes. Ça veut dire que je dois plus aller à l'école, pas vrai? Non, je vois pas comment. Chérie, tu peux pas manger autant de bonbons d'un coup, enfin. Ils étaient vraiment très bons. Je sais, ma puce, mais c'est pas une raison. Pigna? La même qui chante et qui danse. Une idée d'où je peux trouver Tirso? Non, je ne sais pas où il peut être, parce que je lui ai dit de partir du bar. Oui, elle est ici, elle déjeune. Elle est venue me demander pardon en pleine nuit et j'ai pas été capable de la mettre en pleine rue, même si elle le mérite. Eliana, on me demande si tu sais où se trouve Tirso. Moi? Non, j'en sais rien. Elle n'en a pas la moindre idée. Très bien, on fait comme ça. Salut. T'es sûre de ne pas savoir où se cache Tirso, hein?